Eh bien, salut tout le monde, c'est Team Apple. J'espère que vous allez bien, on sera très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un super play. Comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la vidéo, sûrement, il me semble, ça me paraît normal, sur Thunder Force 5. Alors, j'espère que vous avez bien de votre côté, moi ça sera très très bien. Je pense que je vais descendre un peu le son de mes oreilles parce que ça me tue les oreilles. Oulala. Oulala, voilà. Je préfère ça. Alors bon, Thunder Force 5, vraiment un de mes shoot'em up favoris de la PlayStation, développé par Technosoft, publié par Technosoft et Working Design pour la version US de la PlayStation 1 donc. Oui, parce que je joue sur PS1, vous aurez sûrement vu au graphisme, ça va sûrement être un petit peu... ça va rendre sur la TV quoi, voilà. Ça va sûrement pas être d'une qualité vraiment exemplaire, mais bon. Je me suis dit, pourquoi pas filmer une fois la PS1? Pourquoi pas? Ce serait bien. J'ai le jeu, tout ça. Je me ferais pas chier sur un émulateur où je risquerais d'avoir des lags sur PS1. Surtout pour un jeu comme ça qui demande de la concentration, s'il vous plaît. Alors, les dates de sortie du jeu sur Saturn en 1997, sur PlayStation en 1998, et sur le PlayStation Network, que vous pouvez le trouver chez... plus trop à quel prix, mais il est sorti en 2010. Or bon, vous êtes un vaisseau, vous venez de la... Il y a un... Je pense que c'est un conflit entre la Fédération de la Galaxie. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal à parler parce que bon, un super play, les gars, excusez-moi, je vais me concentrer. Hein. C'est pas facile. Alors il y a un conflit entre la Fédération de la Galaxie et l'Empire de Horn, qui est aussi également dans les anciens jeux. Et donc, après les événements de Thunder Force 4, nous contrôlons le vaisseau Fire Leo 04, Rhinex, et qui, il me semble, a été étudié par les scientifiques de la Terre, tout ça, et que... j'ai du mal à me concentrer, les gars, vous m'excusez. Oh, c'est tellement pas facile. Mais bon, de toute façon, on a des armes bien pétées, tout ça. Ah, ça fait du bien de souffler un peu. Mais bon, voilà, c'est un conflit entre la Terre, tout ça. Il me semble qu'il y ait un petit lien avec la Lune. Mais bon, j'ai envie de dire pour les shoot'em up, l'histoire, hein, les gars, l'histoire dans les shoot'em up. C'est pas que je la trouve nulle, hein, aucunement, je me permettrai pas de dire ça. Mais pour ma part, c'est pas mon intérêt premier. Je préfère le dire honnêtement. C'est pas l'intérêt que je porte le plus dans un shoot'em up. Pour ma part, le shoot'em up, c'est ses graphismes, c'est sa jouabilité surtout, c'est sa bande-son. Enfin, pour ma part, deux qualités représentatives d'un shoot'em up, pour ma part, c'est le gameplay, donc la jouabilité, tout ça, parce que... Je veux dire, si tu contrôles un vaisseau qui se manie pas très bien, tout ça, ce serait hyper problématique quand même. Et surtout, la bande-son. La bande-son, voilà. Ça me... Comme ça, ça te met dans l'ambiance et tu as encore plus envie de te concentrer, pour le coup. Alors bon, les boss dans Thunder Force 4. Première partie faite. Deuxième partie faite. Le Thunder Force 5, je pense que j'ai dit le 4 par erreur, désolé. Alors voilà. Bon, je vais vous parler du gameplay. Alors bon, le gameplay de Thunder Force, forcément c'est le switch d'arme qui priorise le gameplay de ce Thunder Force 5 donc. Et ouais, je vais vous dire ça après. Je vais vous laisser écouter la musique Legendary Wings, qui est pour ma part une des meilleures du jeu. Ah, même sur PSA, il y avait quand même des petits lags, hein, mine de rien. Enfin voilà, je pense qu'on entendra quand même la musique, malgré ma voix. C'est le principal. Donc oui, le gameplay de Thunder Force 5.
5 armes à votre disposition, donc élevées sur 3 niveaux. Vous pouvez aussi changer la vitesse de votre vaisseau, tout ça. Mais surtout, vous avez 5 loots d'armes, comme j'ai dit. Et sur ces 5 loots d'armes, vous avez un spécial entre chaque. N'hésitez surtout pas à étudier le niveau pour choisir le meilleur loot d'armes à utiliser. Que ce soit sur un niveau, sur tel ennemi, sur tel boss, n'hésitez pas à trouver les strats les plus... les meilleures strats, justement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre par rapport à ce principe de gameplay qui est très très bon pour ma part. Alors, excusez-moi, je sais que c'est... je commente assez mal depuis le début, mais je vous jure, c'est pas facile. Je sais que j'ai une arme pétée là, le range, il est pété. Mais croyez-moi que c'est pas facile malgré tout. Parce que tu fais une erreur, et ben, tu es mort en un seul coup. Bon, ça c'est sûr, hein, c'est quand même pas mal de shoot'em up. Mais tu perds ton arme. Ah oui, l'arme auquel tu es mort, auquel tu es lié quand tu es mort, et ben elle disparaît. C'est génial. Mais c'est génial. Mais c'est comme ça. C'est punitif. Mais au moins, il y a du challenge. Ça t'évitera clairement de refaire la même erreur. Et comme vous entendez, comme vous aurez peut-être pu remarquer, chaque boss possède son propre terme. Son propre thème. Je veux dire, chaque boss a son thème principal. Wood. Ah, ça c'est un excellent niveau de la forêt. Et surtout sa musique, s'il vous plaît. Sa musique. Bonne écoute, les gens. Bon, via les FX, les sons des FX, je pense qu'on entendra mal, mais bon. J'espère pas trop. Enfin voilà, vraiment très bonne USC, de très bonne manufacture. Manufacture, oh, bah, je me trompe sur ce mot, mais bravo, bravo le Simon Hippone, bravo. Alors oui, que dire. Oui, oh, j'ai failli oublier de vous parler de ça. Eh bien écoutez, je me suis instauré une sorte de... peut-on appeler ça planning? Je sais pas. C'est plutôt une envie. Mais c'est de vous... allez... pour l'instant, je suis motivé. Je ne promets pas que ça va rester. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai envie de vous proposer ici. Alors, c'est-à-dire, j'ai mes cours qui commencent à 8h. Je dois me lever très tôt étant donné que je suis assez loin de mon école. Je finis à 16h. Je vais rentrer depuis. Je vais aller au sport pendant une bonne heure. Une bonne musculation. Bodybuilding donc, et puis par la suite je rentre, je mange tout ça, 36-15 ma life. Et écoutez, vers 18h30, 19h, je suis libre. Et jusqu'à 20h, j'ai envie de prendre ce temps pour faire des vidéos en fait. Enfin, une vidéo. Parce que le temps de, après, enregistrer sur Audacity, exporter... modifier un peu le son pour que ce soit plus écoutable, enfin plus audible, je pense que c'est plus français. Et j'ai envie de faire comme ça, vous voyez.
et ce, tous les jours. Sauf le week-end où j'avancerai dans les let's play. Ici, j'ai un épisode de Riviera en attente. Donc déjà, de ce côté-là, il est déjà mort. Ah oui. Bon, bah, si tu veux. Si tu veux, le boss. Si tu veux. Oui. Ah oui, oh, ce niveau. Je me souviens que le boss était vraiment difficile. Je pense que c'est même là le boss le plus difficile du jeu. Alors voilà, c'est mon planning que j'ai envie d'instaurer. La semaine, ce sera vidéo détente, découverte, direct appelé, enfin... Ouais, tout ça, quoi. Hors let's play, si vous voulez. Hors let's play. Et le week-end, bon bah... Étant donné que j'ai que... je suis retourné à deux let's play en même temps, pour la chaîne, et ben écoutez, j'ai envie de faire ça. La semaine, direct appelé, enfin... Voilà, je vous l'ai déjà dit. Et le week-end, ce sera let's play. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, j'ai envie de tourner des vidéos, tout simplement. Je suis très motivé. J'ai envie de tourner des vidéos. J'ai envie de prioriser la quantité sur la qualité. J'aime bien que ça fait con de dire ainsi. Hein. Mais voilà. Étant donné que j'ai vu hier... ma vidéo sur Judgment Silver Sword, je veux dire, en 16 heures, tout ça, que une vue de la journée, bon voilà, je vais pas faire l'éternel truc chialeur, tout ça. Moi je préfère une vue, comment une personne s'intéresse et comment, que zéro personne. Pourtant les zéro personnes, je les ai déjà eues. Enfin, un bon moment, j'ai envie de dire, dans un délai de plus de 24 heures, parce que généralement après ça se rattrape, mais bon. Pas pour toutes les vidéos, malheureusement, mais bon, voilà. Au moins, j'ai le minimum syndical. Je m'en fous désormais. Je priorise désormais la quantité, ce que j'ai envie de tourner, tout ça. Si des gens n'ont plus la force de suivre ce que je fais, bon, bah... C'est dommage. Je sais au moins que j'ai des gens qui vont au moins regarder. Petite pensée à vous, les gars. Je sais qu'il y a au moins des gens qui vont rattraper tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je suis... Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, mais... C'est incroyable. J'ai approché de 90 abonnés. J'étais même à 90, hein, à un moment. Je suis retourné à 85. Les gens, si c'est pour vous abonner, si c'est pour vous abonner, et que vous attendez un sub back en retour, je pense que c'est raté, hein. C'est marrant. C'est marrant que... Allez, bon, je préviens tout de suite... Ryuzaki 15210, je lui conseille énormément sa chaîne, à lui faire un tour. Des gros bisous à toi l'ami. Je vous invite à aller suivre ses lives. Je vous invite également sur son Twitter, sous le même pseudonyme. Il prévient de ses lives. Voilà. C'était le petit coup de pub pour toi l'ami. Alors, qu'est-ce que je peux parler encore? Mais mon ami Itachi. Itachi 9440, qui fait aussi d'excellentes vidéos découvertes, de la pure détente, des reviews. Je vous le conseille énormément, vous trouverez beaucoup de contenu de qualité, que ce soit sur NES, Nintendo 64, des découvertes, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est très très bon à voir dans la pure détente et qui me motive beaucoup. Allez le voir, ainsi que Meme the Gamer, Dark Isaï, Vinceling du 59, Elincia, tous mes potos de YouTube. Ainsi qu'un gros big up à toi, mon petit Greg, ma petite poule. Je te fais des gros bisous. J'espère au moins que... Enfin bon. Non, c'est entre nous, ça. C'est entre nous, mon ami. Je parlerai pas de ça en public, mais voilà. Je te fais des gros bisous aussi. On parlera de ça en MP si tu veux, mais voilà. Mais voilà. Alors voilà, Guardian Knight, le boss de ce niveau, qui pour ma part est... très difficile. Ça va vraiment être le boss le plus long. Regardez sa vitesse, quoi, s'il vous plaît. Alors ça va, là, il fait pas trop rien. Suffit de prendre les bonnes armes. Suffit de prendre les bonnes armes au bon moment, le bon set d'équipement. Et normalement, ça va. Normalement, son pattern ici est facilement devinable. Tu te mets sur un coin supérieur ou inférieur de l'écran, ça va. Mais là, quand il arrive rapidement, tu étais parfois vraiment surpris.
Ça, je le cache pas. Mais voilà, ça va me faire du bien, ce débit de vidéo. Ah, vous aurez au moins une vidéo presque tous les jours, comme ça. Vous aurez au moins une vidéo presque tous les jours, et croyez-moi que j'ai des ressources pour proposer des vidéos. Sans me la vanter tout ça, je sais que j'ai beaucoup de jeux à vous proposer. Ça, c'est... ça, c'est sûr. Que ce soit sur, comme vous voyez ici, sur PlayStation 1... PlayStation 1, pardon. qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je reste concentré ici, les gars, désolé. Regardez-moi cette animation, quoi, s'il vous plaît. Thunder Force 5. Mon Thunder Force favori de la série. Et c'est pas pour rien. Oui, que ce soit sur PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, PS4, PS4, Bloodborne, s'il vous plaît. J'ai pas mal de jeux PS4 à vous présenter aussi, que j'aimerais bien. Wii U, j'aimerais bien en avoir une. Au moins pour XenoX, ou j'ai pas un bon petit Mario, un Smash. Ce serait bien de filmer du Smash avec les potes de YouTube. Ou d'autres potes même. Hein. Je connais des gens qui ont une Wii U de leur côté. Ça change des autres potes qui n'ont que cave de team, mais bon. Hein. Oh, je fais quand même super attention ici parce que c'est dur, mais dur. Oh. Enfin, je pense que je suis en niveau normal, mais bon. Je veux dire, c'est un super play. Ça demande pas forcément d'être... en difficile tout le temps. Enfin, moi, mon terme pour les super plays, c'est généralement un let's play, mais tu te aimes up, quoi. C'est pas un super play juste pour dire oh, grande performance, tout ça. Non, non. Enfin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Voilà. Je préfère faire passer le message encore une fois, si jamais. Quand je vous dis, mais il est long, on est là depuis tout à l'heure. Les boss, les anciens boss, je les tue en même pas une minute, et lui, on est là depuis... Oh, 3-4 minutes. Allez. Alors, je l'imagine même pas en difficile, ce boss. Ma musique s'est arrêtée. Ah bah oui, le combat, il est tellement long que la musique, elle fait ses boucles. Hein. Elle fait ses boucles, hein, la musique. S'il vous plaît. Allez, je le bourrine à mort. Voilà. Normalement, tu es mort. Ouh, le laser du suicide. Alors, je pense que tout le monde se serait déjà fait piéger. Tu observes le boss qui meurt, il te lâche un laser en dernier recours, quoi. Oh, cette scène. J'adore. Et la musique, s'il vous plaît, la musique. De la putain de gueule, et voilà une nouvelle arme pour nous pour combattre les mauvais, les méchants. Notre super équipement, oh, c'est génial cette arme. Regardez, là je vais lancer ça. Voilà, oh, c'est génial, j'adore. Et on va voir un des boss les plus classe juste après aussi. Mais je sais pas dire si c'est ce boss qu'on va avoir ou l'ancien qui est le plus difficile, honnêtement. Mais vous dire que ils sont classe, les boss, quoi. Mais c'est que le jeu en général, il est vraiment classe. Le jeu en général est vraiment classe et je suis bien content de vous le proposer. Ah oui, maintenant, regardez bien le background. Regardez bien ce qui va venir. Le vaisseau géant qui va apparaître devant vous. Et on peut détruire ça, hein. On peut détruire ça. Ça, c'est génial. Regardez ça, sprite. Bon, là, c'est un... Oh, ce rouge, il m'a toujours fait mal aux yeux, perso. C'est genre pour dire, alerte, il y a un ennemi qui arrive. Alors, je me concentre avec lui, les gars. Je m'excuse. Mais il est classe au combat. Il est très, très classe. Vous verrez sûrement après pourquoi.
Vous verrez après pourquoi je vous dis ça. Vous en faites pas. Voilà, admirez surtout, admirez. La musique aussi, elle est vraiment géniale. Regardez-moi cette classe incarnée qu'est le boss. Bon, je connais les positions pour pouvoir le buter assez facilement. Mais ce sera pas la seule armure, vous en faites pas. Ce sera pas la seule armure qu'il portera durant le combat. Mais voilà, oh, regardez-moi ça. Dites-vous que ce truc il va fusionner avec le vaisseau pour le combattre. Voilà, comme vous voyez. Je préfère rester au-dessus de lui, c'est le mieux. Ou en dessous, c'est pareil. J'espère pas me faire prendre comme un gland. Mais ça va, j'attaque suffisamment fort en fait pour annuler ces patterns. Ça c'est mieux. Ça au moins c'est fait. Ah, regardez. Ce boss qui va ressembler à un phénix maintenant, quoi. Ça rappelle beaucoup un boss dans Thunder Force 4 aussi. Mais le boss, quoi. Il vole à travers les plans, et c'est ça qui est magnifique. La PSM savait faire beaucoup de choses. Alors c'est là que je préfère quand même rester en dessous parce que, comme vous voyez, il est très violent dans cette forme. Il est mort? Ah oui. Là il est mort. Ah oui. Oh génial. Ah je suis content. Ah je suis content. Oh là là. Ah, ce boss est tellement chaud. Ah je vous jure, il est vraiment chaud. Alors nous voilà pénétrés dans le système. On va détruire plein d'espèces d'hologrammes, tout ça. On va essayer de combattre un super ordinateur, il me semble. Et croyez-moi que ces ennemis au début, c'est très difficile de les distinguer. Pas ceux-là, mais les genres de. Voilà, comme je vous dis, les bouillies. Tout ça, je vous jure que c'est pas facile au début de distinguer ça. Surtout ça. Mais c'est tellement des saloperies ces ennemis, je vous dis pas. Alors ça, je sais plus que c'est à quoi ça correspond. Sauf que quand il va passer, ouais, je vais bourriner. Voilà. Je sais pas à quoi ça servait ce changement de plan. Peut-être pour faire joli. Je pensais que c'était pour instaurer une sorte de système de combat. Ouah, ça. C'est d'instaurer un système de pour combattre l'ennemi, mais non. Mais ça va, ça reste quand même bien joli. Bon, comme vous voyez, c'est un peu le syndrome R-Type, hein, ce jeu. Si vous ne mourrez pas, que vous gardez bien vos armes, que vous utilisez les bonnes armes sur les bons ennemis, croyez-moi que ça va passer. Ça va vraiment bien passer. Croyez-moi. Mais si vous mourrez et que vous perdez votre arme, eh ben croyez-moi que vous allez être dans la merde. Croyez-moi que vous allez être dans la merde. C'est ça qui va rendre le jeu mais vraiment d'une difficulté, vous imaginez même pas. C'est vraiment le syndrome R-Type-like. Ah, j'en suis très loin dans le score quand même. Bon sang. Ah, je suis dans les centaines de millions, un truc comme ça, non? Alors, j'arrive pas à lire de loin de ma TV, mais c'est quand même grand, hein.
C'est quand même grand, hein, le score. Cette arme est tellement pétée aussi. C'est pas pour rien que sa dernière arme. C'est pas pour rien du tout. Sinon, ça va? Non, mais une fois que t'as les bonnes armes, comme je dis, voilà. Limite, à certains passages, tu peux... J'allais dire une cochonnerie, mais non. Tu peux te mettre la main dans le cible pendant que tu bats les boss. Voilà. Les boss. Les ennemis, en général. Mais il faut vraiment connaître aussi d'où ils viennent, tout ça, quelle arme utiliser. Et voilà, c'est tout un système qui s'instaure. Au moins, il y a un semblant de stratégie, quand même, là-dedans. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce Thunder Force 5, pour ma part. Au combat des cristaux, la 3D de la PS1, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça, les gens. J'espère que le rendu va pas trop rendre dégueulasse. Ouais, mais même si ça rend moins bien que d'habitude. Je veux dire, je me fais ça sur ma PS1, tout ça, bien gentiment. Ça aura les graphismes un peu d'antan, là, comme ça, sans amélioration d'émulateur, tout ça. Et ça me fait plaisir quand même. Croyez-moi que ça me fait plaisir. On aura au moins un résultat comme si on était sur sa PS1, bien tranquillou. Enfin, comme si je parle pour vous, bien entendu. Allez, boss time. Alors, ça commence à péter un câble. Ça m'a toujours bien impressionné, cette 3D. Ce changement de plan, j'ai toujours bien adoré. Alors, comme vous voyez, n'allez surtout pas au-dessus de lui, hein, ni en dessous. Croyez-moi, il va vous déglinguer, le boss. C'est impossible d'éviter ses tirs super rapides. C'est impossible, croyez-moi. Alors, vous voyez les couleurs, tout ça, ça rend vraiment très très beau. Ce combat, il lag aussi, il y a tellement de choses à l'écran. Voilà. Oh, nom des dieux. Ah, j'ai eu du cul. Ah, j'ai eu du cul. Alors, ce boss, il est vraiment pas facile quand même. Mais il reste quelque chose. Quelque chose me dit que tout n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est? Alors on vient. Inconnu. Oh, ça pète un câble total dans l'alerte. Quelque chose perturbe méchamment notre signal. Et alors la musique, The Justice Ray partout, qui se lance. Et Final Boss Time. Vous savez, il reste assez facile quand même pour un final boss. Il reste relativement facile. Il y a juste ces attaques. Elles sont prévisibles, voilà, on a fini. Elles sont prévisibles, mais quand il les lance, elles sont super rapides. Faut vraiment... C'est limite du par cœur, ce final boss. Croyez-moi que oui, les premières fois, vous allez en chier. C'est pas un final boss pour rien, et croyez-moi, oui. Pour ma part, ça va. Je connais les strats, tout ça. Mais croyez-moi que les premières fois, j'en ai chié. Alors voilà, nous avons fini ce super plaisir Thunder Force 5. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était le Timon et pas Nitch. Bye bye tout le monde.
I am cyborg humanity, cyborg animals, cyborg flowers, a cyborg world. And my name is The Guardian. Soldier, listen to me. All the things that created past human power have been destroyed by you. Their number was too great, but now has been reduced to the proper level. The world will continue as it was before. The living creatures of this planet will continue to rejoice in battle and die in combat. But even in a world of minor warfare, one oversight could mean. RVR-01 Gauntlet destroyed. RVR-02 Vambrance operational. The existence of Vambrance will once again cause humanity to embrace mass death and destruction, just as Vestil did. This I know. You know it too, do you not, soldier? If you wish to safeguard the future of humanity, you must make sure humans can never again gain access to Vambrance. Soldier. May fortune be with you. Woo!